ozonés sur les ronds-points qu'on faisait de la gratte chez Cadillac. Y'avait encore des S2000, des cassettes, des CD. On venait de me filer une guitare d'un mec qui s'était suicidé. Elle était super cheap, complètement inaccordable, un truc bas de gamme avec un son épouvantable. Sur cette guitare noire, y'avait un petit autocollant, très certainement le nom de son groupe qui s'appelait The Stupéfiant. Ça m'avait trotté dans la tête pendant quelques temps. J'pensais à ce gars qui a décollé et son putain d'autocollant, et ça me revient en flashback sur le canapé de Cadillac. Ah, c'est Stupéflip ça. Le vrai début de l'ère du stup. À l'époque j'étais triste, j'avais plus de papa. J'habitais chez une dame, elle était vieille, très sympa. Quand King Ju passait, il me demandait: elle est là? Comme si c'était une araignée, un bout, un cancrelat. Après on faisait de la zik et on gueulait dans le micro. J'avais un 4 pistes, le S2000 et du tacheron. C'était l'époque des légumes verts et de la soupe. Un peu de fromage et du pain trempé dans l'assiette. Je faisais du son, je connaissais pas les résidents. Des sons bizarres, ça ressemblait aux résidents. La vieille dame, elle me parlait de mes tambours, que ça serait bien de les mettre un peu moins fort. Après une fois, j'ai fait un casting de pub pour gagner ma croûte. Faut en sortir.